Salut tout le monde, salut, j'espère que ça va bien. Alors, attendez, j'ai un son bizarre dans les oreilles. Très étrange. Je vais voir, si j'arrive à trouver d'où ça vient. Peut-être débrancher ou rebrancher mon casque. Salut Calmandriste. Débrancher, toi. Débrancher, te rebrancher le casque. Ok. Non, j'ai toujours le bruit. Mon calme je n'est pas tip top. Que j'ai tout foutu en l'air. Voyons voir. Là, j'ai plus de son. C'est réglé. Ah, j'ai plus de son. Il est allumé. Bon, je crois que je vais revenir. Dans un instant, j'avais pas fait ça offline. Je crois que je vais devoir revenir dans quelques instants. Ah si, j'ai du son. J'ai du son. Ah ok, mais par contre, j'ai plus son OBS. C'est bon. Je n'ai plus son OBS. Ah si, c'est bon. Et ça va être réglé. Bon. C'est bon, le casque est de revenu. Est de revenu. Le café est en train de préparer. Et on devrait pouvoir se faire un petit peu de Lego ensemble. J'espère que ça s'est bien passé pour toi hier. Comment se passe ton trou dans ton jardin aujourd'hui? J'ai pas mis une lunette. J'ai un peu les cheveux qui poussent à l'envers aujourd'hui, moi. Hop. Se préparer. On va basculer sur la scène de Lego. Ah bah tu m'étonnes, mais tu t'as du matériel ou tu fais tout ça à l'appel? Alors on disait donc on va remettre la webcam qui est là. Et on va basculer sur la scène de craft. Tu fais ça à l'appel, ok. On y est. Alors, par contre, lui, il m'a bouffé une partie des instructions. Alors, on va le redimensionner. Et le mettre comme ça, ça sera pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça nous laisse une bonne partie pour travailler sur les Lego. Attends, peut-être on va faire le redimensionnement un peu plus propre quand même. Il y a un truc qui s'est connecté, je ne sais pas ce que c'est. On est pas trop mal, peut-être le réduire un poil. Voilà. Du 4 mètres carrés. Tu peut-être. Ok,
C'est l'espace d'un corps, quoi. Bon, on va voir si tout fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Et ça marche. Tu marches. Quoi ? Tu marches. Et ben, on va pouvoir se mettre en Lego. Je sais pas, il m'a déconnecté un truc, je ne sais pas ce qui m'a déconnecté. Donc. Ninja. Alors. On a le bon emploi qui est droit devant nous. On a. Un joli bois-boîte que toi tu connais. La boîte à plat qui se trouve là avec normalement les stickers que j'avais mis, que j'avais dû aplatir parce qu'ils étaient tout froissés. Bon, le mode d'emploi on va pas s'en servir pour l'instant vu qu'on a le PDF sous les yeux. Tâcher numéro 1, on a encore des stickers là, on va aussi les protéger ceux-là, on va essayer de les aplatir un peu. Et on est parti. Alors, on devrait y voir un peu plus clair avec la vague de Kusai. C'est quand même... On va se faire un peu de calme, on va mélanger le sachet numéro 1 et numéro 2. Il y a de nouveaux sets aussi, Sonic qui arrive, mais qui sont, je trouve, plus orientés jouer. Avec un Sonic qui va blaster avec un espèce de... Ça fait un petit côté Hot Wheels. Je pense que je passerai mon tour sur cela. Celui-là me suffira amplement, je dirais. Proprement. On va prendre Sonic. On a la musique. Quels sont vos jeux Sega préférés? Moi j'ai toujours été un poil plus Sega que Nintendo, donc j'ai jamais les deux. Et la Dreamcast a été une grande console pour moi. La Saturn moins parce que je ne l'ai pas eu. Nintendo, ouais. La Saturn vient d'y jouer chez un copain. J'ai un nouveau tutuc pour le... Mais je préfère utiliser le bleu. Là, je me suis fait une boîte à Lego juste là. Ok, c'est ma webcam, c'est ma webcam qui se débranche, qui se rebranche. Okay. Alors, on y est. On y est. On va laisser la souris tranquille. Le gars, ok. Le jeu Simpson. J'ai optimisé, j'ai tout planqué sur le clavier. Comme ça, le clavier, de toute façon, qui sert à rien. Un petit mode d'emploi. Quelques jeux, ils ont mis Sonic 3D Blast qui est une purge en jeu, qui était mal géré. Sonic Unleashed qui était pas si mal, Sonic Heroes qui était cool, Sonic 1-2, pourquoi pas Sonic 3? Pourquoi pas Sonic CD, bon. Sonic Generations, Sonic Boom qui est pas bon. Sonic Mania qui est génial, le film et les 30 ans de Sonic, ok. Les créateurs. Ok, c'est vrai. Ouais. Et on dit qu'est-ce qu'on va avoir. Et on commence par Sonic. La petite tête là. Hello, et oui, en effet, ce sont des Lego devant moi. On va monter le set Sonic, comme tu peux le voir juste là. On va monter le set Sonic. Et merci pour le follow.
Ça fait penser que mon truc est devant. Il faut que je mette mes alertes derrière. Hop. Alors attends, où sont mes alertes? Elles sont là. On va les mettre en premier plan. Merci pour le follow, installe-toi. Hop là. On est en simultané sur Kick et sur Twitch. Pas ça. Sonic, Sonic, on lui fait une petite statue. Sonic. Voilà, mettre les guiboles. Le petit Sonic. Ouais. Attends, j'arrive. C'est mon café. Je suis là. Oula. Mais si. Madame m'a fait servir le café, mais il est rempli à bord. Et merci, 200 personnes, mais c'est trop cool. Merci beaucoup, bienvenue les gens. Installez-vous. Installez-vous, comment ça va? Bah du coup... Triskel, tu faisais quoi? Merci. Ah, c'est méga raide, ça. Tu fais quoi sur Kick, toi? Des duplos. Non, parce que... Alors, je t'avoue que les duplos, j'en ai... Je ne suis pas resté au duplo. J'ai laissé les duplos dans l'ancien temps. Et par contre, les Lego, j'ai continué avec toutes les nouvelles collections. Pour faire l'historique de Lego, quand même, ça marchait bien quand, quand moi j'étais petit. Je sais pas de quelle génération tu es, mais ça avait quand même bien marché. Mais on a eu un gros, une grosse baisse fin 90, début 2000, un peu à l'arrivée, un peu au même temps que les. Salut les Raiders, ouais. Que les comics, une grosse baisse. Et Lego a eu la bonne idée d'investir dans des licences, d'abord Marvel, etc. C'est Sanic, ouais. C'est Sonic. Je suis super rapide. Et grand-mère leur face, parce que c'est une entreprise qui est quand même assez impressionnante. Ils ont commencé par faire des jouets en bois, mais deux fois par leur histoire, leur usine a brûlé. Et ils ont tout perdu. Et ils ont quand même réussi à se relever et aujourd'hui être... je dirais pas un empire, mais c'est quand même une multinationale assez imposante et présente à travers le monde, que ce soit à travers leurs films ou leurs jouets ou les jeux vidéo. Ils se sont bien démerdés. De quoi, t'as envie d'inaugurer le café, surtout essayer de le boire sans tout foutre partout. Ah, fichtre chaud. Et donc vous étiez sur quoi avant d'arriver sur mes petites briques? Donc le programme aujourd'hui, c'est de se faire un peu de Sonic pendant une heure et demie, et on enchaînera sur Tears of the Kingdom en suivant. On va filer son petit anneau. Hop. Alors, il veut... On va faire un peu de place. On va avoir besoin de ça. De ça. Et en effet, j'y vois un peu plus clair. Je viens de changer mon tapis de souris pour passer sur un truc coloré. J'avais un truc tout standard, tout noir. Et je commençais avec mes yeux de vieille personne à ne plus y voir assez clair et à perdre certaines pièces. Alors, voyons. Bon, mes yeux sont toujours ce qu'ils sont. Hein. Je suis un homme, hein, je trouve pas la bouteille de ketchup dans le frigo. Donc, comment vous dire que les Lego, je galère. Il faut les... En plus, c'est des pièces toutes petites. Allez, c'est du poc-poc. Qu'est-ce que tu racontes, poc-poc? Et zut, là. J'ai l'impression de chercher de l'or. Appuyer là-dedans. Et en plus, je profite que tout le monde soit là. J'ai pas d'expo.
pour venir montrer ma bouille sur Twitch. Le chat n'est pas là. Alors j'ai voulu faire le mont Malinx et ouvrir les deux premiers sachets en même temps. Ah ça va. Et je le regrette pas du tout parce que je viens de trouver ma pièce. Voilà. On va mettre ces saloperies là. Ok, et demain. On va peut-être faire un petit zoom. Zoom sur la caméra, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Dr Jones, comment tu vas? Bon dimanche à toi. Alors c'est quoi ton petit IP à toi? Hop. Mon chien a changé d'IP avec toi. Ah, ça doit être ça. Yes. On va zoomer un poil. Ouais, c'est pas mal. On y voit mieux. Écoute, pas trop mal. On est dimanche. Il fait un temps de merde sur Montréal. Ils prévoient des orages. Donc on va rester à la maison et puis on va jouer. J'ai l'impression de vivre à Hyrule avec ce temps pourri. J'ai besoin de me rapprocher de mon bureau, madame, le siège. Et on va faire ce petit Lego en honneur de Fred Zolf, parce que c'est lui qui me l'a offert. Donc, Fred, tu nous écoutes pas parce que t'es à la Japan Expo. Pour toi. Merci pour ce cadeau. Ok. On est là. Hop. Faut que je t'embête la souris là. Et la méga barre. La méga barre. Eh ouais, de la pluie. Ouais, mais alors, ouais. Nous, ça. On alterne un jour, deux jours beau, un jour de pluie. Je t'ai dit, vivre au Canada, c'est un peu comme être à la montagne. C'est très très changeant. Très rapidement. Par contre, c'est très lourd. Le temps est lourd. Je le dirai jamais assez, mais Kuna, sur l'OST de Secret of Mana, a fait un des plus belles OST du monde. Hop là. C'est quoi ça? Ah, c'est un marteau? J'ai rajouté tout un tas d'actions. Alors, sur Twitch, pas sur Kick, mais j'ai toujours rajouté tout un tas d'actions si tu veux, avec les points de chaîne. Avec Calmandris, on s'est bien marré de la dernière fois là avec les trophées. Alors, on va voir. Il est où lui? Hop là, allez. C'est pour les furies. C'est parce que je suis une furie. Musique, ça on aurait dit la musique de Sonic, mais non, c'est du Burning Ranger. Excellent jeu sur Saturn, Burning Ranger, qui est malheureusement très cher. Alors un peu mal vieilli niveau 3D, mais je trouve qu'il y a une super esthétique et un OST génial. Ok, on va faire le socle Sonic là. Ok, on va lui mettre les émeraudes, tout ça.
Three Rangers. So now you should love me. C'est ça. Now where will you sleep, you Ice Queen? Ok. Alors. J'ai bien détecté le son du bureau, on voit ça. Il y en a plein. Alors, hop. Donc on met ça. Et on lui a fait un petit socle pour faire Sonic qui court. Cette caméra là. Hop, hop. Voilà. Ok. Et donc hop, on va faire le premier méchant. Le crabe, Monsieur Krabs. Ok. C'est tout qui glisse. Comment ça marche? Comme ça. Ok, hop. Et toi, Dr. Jones, équipe Sonic ou... Enfin, équipe Sega ou équipe Nintendo? Et vous, les autres, sur le chat? Sega, c'était les bad boys à l'époque. Une console noire, c'était sombre. Il y avait des jeux violents. Des jeux sexuels avec Night Trap sur... sur Mega CD. Hop. Sega, c'est plus fort que toi. Ok, un partout, balle au centre. Un, deux, un. Je vais me compter neutre. Et est-ce que tu as eu la Saturn ? Saturn qui est malheureusement une des plus mal aimées de chez Sega. Qui reprend du poil de la bête récemment avec pas mal de jeux indépendants qui commencent à sortir. En fait, le gros problème qu'a eu la Saturn à sa sortie, c'est que Sonic venait de racheter... ah, j'ai plus son nom là, le studio avec la chouette, là, ceux qui faisaient notamment Destruction Derby. C'est un studio aussi qui développait des outils d'utilisation pour les consoles. Donc la PlayStation s'est retrouvée avec tout un tas d'outils facilités pour pouvoir développer sur la console. Et la Saturn avec un manuel imprimé très austère, noir et blanc, pas de photos. Et peu d'outils, donc ben, forcément les devs avaient plus de facilité et plus envie de développer sur la PlayStation de Sony. Ah, tu es passé chez l'ennemi. Je lui ai très tard, moi, la PlayStation. Quand la PlayStation est sortie, j'ai dit non, je veux une Nintendo 64. Voilà, Synosis, merci. Je trouve pas ma petite pièce grise là. Alors... Ah mais je suis aveugle. Le bill. On va virer ça. On va trier pour commencer à trier en couleur. Oui, titi. Je finis par le trouver. Quand j'en aurai plus besoin. Faire tomber aussi, ça serait pas mal.
Je déconnecte maintenant, sérieusement. C'est sans fin les problèmes de PC. Hein. C'est pas grave, vous l'entendez pas et je m'en sers pas. Ça va être un peu plus enquiquinant tout à l'heure pour Zelda. C'est con, maintenant j'ai mis un nouveau nouvel angle de vue, elle commence à faire chier. Ça serait le câble. Pourtant l'autre là, ce câble là, elle fait pas chier. Ou depuis que j'ai ce PC là, j'ai toujours eu des petits soucis avec l'USB. Malheureusement, au niveau SAV, c'est foutu parce qu'il a 2 ans. Et que le SAV est en France. Mais c'est ouf, je le vois pas. Mais putain, je suis con, je le cherche. Je l'ai déjà mis. C'est celui-là qu'il faut que je mette. Le Congo, monsieur. Je crois que j'ai pas. Il me faut un peu plus de café encore. Bon. Maintenant que je peux avancer. Ok. Je fais ça. Ok, c'était bon. Donc là-dessus, on va lui mettre un incliné. De ce côté-là. Et là, on lui met ça, j'en ai vu plein. Comme ça. Et lui là. Ok, ça c'est les papates. Ça c'est les papates. C'est pas censé avoir 6 pattes un crabe ? Et on va mettre comme ça en incliné. Et ouais, ça c'est ok. Alors, on va poser ça de côté un instant et on va lui faire les pinces. Alors c'est 4 crabes plus de pinces les crabes ou c'est il faut 2 comme ça, on va mettre ça de côté. Il faut 2 là. Il me faut 2 comme ça. 2 comme ça. Et 4 rouges. 1, 2. 4. Ok. Allez, on peut lui faire les pinces. C'est du travail de refaire, hein, c'est petit. Hein. Ok. Difficile d'y voir, hein, mais ok. Ok. Hop. Donc on lui met ça là. Et ok, ça c'est les. J'ai toujours appelé ça des. J'ai l'impression que c'était des pchits pour les bouteilles à pression. Et de 2. Okay. MS.
qu'il a un peu un strabisme. Ok. Et le crabe est mignon. Donc on a le petit crabe. Et maintenant on commence à placer le terrain. Donc on est sur Green Hill Zone. Alors, ok. Comme ça. Et voilà, fini. Oui, il y a l'heure du mécanisme. C'est un marron, pour son moment, ils ont pas d'autres couleurs. Ok. Yep. Ok, là, il faut 4 marrons foncés et 4 marrons clairs. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Des petits tas de 2. Et l'éclair de ce côté là, allez, foncez à côté. Ok, ok, et on va y mettre une barre dessus. Bah, ok. Ok, et ça reste tranquille. Maintenant, on sort celui-là. Ok. On va y mettre la même chose en noir. On va refaire. Hop. 1, 2, 3, 4. Et merde. Moins d'attention et le Lego s'échappe. Ok. Ok. Ninja, c'est pas sûr, c'est sûr. Donc tu poses là et le marron clair côté rouge. Ok. Et on vient. Ok, et on vient mettre ça au mus là. On vient y ajouter par-dessus ça. Et là, alors je l'ai vu là, lui. C'est des vis qu'il faut. Bon, là, on est sur l'album hommage à Flashback Génération Delphine, qui est en téléchargement gratuit sur Bandcamp, je crois. C'est des remixes pour l'anniversaire de Flashback, et c'est plutôt cool. Flashback est quand même un grand monument du jeu vidéo. Et qui ramait ses fesses sur Super Nintendo.
Ok, on s'est mis. Ah ouais, c'est là. Ok. Commencer à travailler sur le damier. Ah, le thème est cool comme il s'énerve au fur et à mesure. Et on vient y remettre. Non, on est bon, on est ok. Une barre jaune. Il vient se mettre là, ok. Un clair et un plus flashy de ce côté-là. Et là, on vient y mettre. Ok, ok. De ce côté-là, on va faire un petit damier. De ça. On va les deux. Les deux. Je me suis commandé pour se faire au mois d'août le kit. On va faire le kit LED de The Office, du set Lego The Office. Et il faisait la gueule. C'était le seul set bureau à ne pas être, enfin plateau à ne pas être éclairé sur l'étagère. Donc. J'ai craqué. Ok. Donc ta. Et. Hop. Le pixel. Pareil de l'autre côté. Ok. Il y a du tout plat qui va là. Ah, un tout là. Je suis faible. Je suis extrêmement faible. C'est pas pour moi, hein, c'est pour l'homogénéité de mon salon. Tout. Pas moi, c'est pas ma faute. On va faire des trucs en live aussi. C'est votre faute. Ok. Ok. Alors, enfin, je pense qu'on va faire le. Palmier là. Hop, on lui met ça dans les fesses. On va de l'autre côté, ça mieux. Mais pas sale. Ok, il m'en faut 7. On va enfiler des perles. Je suis quand même assez admiratif de ce mec-là qui développe et qui invente ces sets Lego. Et tiens, si je prends 3 briques bleues et une forme jaune, je vais faire un cocotier. Et c'est un beau travail d'imagination. Je suis un poil jaloux parce que j'en ai, mais je suis pas aussi loin. 5, il m'en manque 2. 1. Et 2. Et par-dessus, on va y mettre donc celui-là, on va superposer. Et là pour l'instant,
Il faut un vert. Alors c'est un vert foncé, donc ça doit être celui-là. Et dessus le celui-là. Ok. Ok. Et on vient y coller des petites griffes. Il y a une couleur indéterminée, une espèce de bleu. De bleu, bleu vert. Inverser le cloître en fait. Tu peux s'en emmerder si l'iPhone, on va essayer de changer de switcher. Voilà. Alors, yo, my FM. M'en manque deux. Alors. Ah, Daned. Ah non, il faut deux. Il en faut deux. Donc on était bon. Tac, tac. Comme ça. Petite balle. Ok. Hop. Ouais. Tu vas pas tenir toi. Ok, alors. Ah, lui s'est déconnecté. Ah. Alors attends, la caméra qui a frisé. Ok. Ok, il me faut des petites griffes vertes, elles sont là, il m'en faut deux. Je vais me les mettre de côté. Il me faut hop, un comme ça, deux comme ça. Et un de chaque côté, hein. Ouais, un de chaque côté. Et on vient y mettre la griffe. Comme ça, ouais. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Et on vient le poser. Et on vient le poser sur le socle là. Donc de ce côté là. Ok. Il y aura rajouté.
Hop. Si ça c'était pas inspiré à Michael Jackson, hein. Je sais pas ce qu'il est. Alors. Ok, ça, ça, ça. On est pas trop mal. Et lui, voilà. Ça fait un petit palmier en 3D. Ok, et on lui met au fur et à mesure des émeraudes. Ok. Maintenant, on va faire le Pong. Tu n'as jamais joué à Mono Cœur sur Mega Drive ? C'est pas le meilleur des jeux, hein. Le jeu arcade est plus cool, je trouve. Titi. Allez, hein. C'est du double dragon en remix. Chat qui rôde autour du bureau. Tiens. Je sais que t'as des mégots, laisse pas rentrer humain. Ils sont repartis dans un style graphique qui est pas forcément un truc que je recherchais. Je serais plus attiré par la série des River City Zero, tout ça là. River City Girl. Mais écoute, cool d'avoir. Enfin, Double Dragon n'a pas toujours fait que des bons jeux. Enfin, la licence Double Dragon n'a pas toujours amené que des bons jeux. On se rappelle de Double Dragon 3, je crois, sur Super NES. Plus moche que le premier film. C'est pas très gentil pour Alyssa Milano. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Combien de kilos de cocaïne ont été utilisés pour l'écriture et la réalisation de ce film? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi avoir décoloré Robert Patrick? Pourquoi appeler leur art martial du judo? Pourquoi avoir pris des frères jumeaux et avoir pris le mec de Melrose Place et Marga Cascos? Juste pourquoi? Beaucoup de questions. Pas son meilleur rôle en effet, ouais. Où il se déplace dans les ombres là, Robert Patrick. Ouais, beaucoup de questions se posent sur beaucoup de sur ce film. Alors tac tac tac. Après, ils suivaient la mode de Mario, hein. Écoutez, c'était post-apo, c'était années 90. Et puis, gros, moi j'ai réussi à forcer les gens à le voir, donc c'est une grosse victoire. Alors ouais, mais je crois qu'il s'appelait... en fait, il s'appelait Twin Dragon, le film avec Jackie Chan, où il joue, deux frères jumeaux.
je crois qu'en fait on lui a affilié une référence à Double Dragon qui était juste fortuite. Non, ça compte pas, ça avait rien à voir avec Double Dragon. C'est l'histoire d'ailleurs avait aucun rapport, c'était deux jumeaux séparés à la naissance, l'un qui est musicien, l'autre qui est voyou, et qui ont la particularité que quand l'un fait certaines choses, l'autre les fait également, et puis finissent par se rencontrer. Ah, tu vas te battre avec Almondrist. Nicky Larson, le film ? Avec Jackie Chan, par contre. Celui-là... par contre, il existe une adaptation... une adaptation non officielle de Nicky Larson dans les années 90 qui est taïwanais, je crois, qui s'appelle Mr. Mumble et qui est beaucoup plus fidèle. Dead or Alive. Ouais, et alors Street Fighter, c'est rigolo parce que pour avoir lu un peu ce qui s'est passé autour du tournage, ça allait pas du tout. Capcom voulait imposer un de leurs acteurs qui parlait même pas anglais. Van Damme était coqué à mort, quoi. Il toussait, il y avait de la poudre qui sortait. Tout le budget est parti dans le cachet de certains acteurs et certains étaient venus en amont pour faire des formations de casting, enfin de casting de cascade et de fight, mais il y avait plus de budget. Ah mais tu vois, tu dis oui, mais Mortal Kombat, si on le regarde de façon objective, il est pas ouf, quoi, il est pas terrible, hein, c'est pas un bon film. Après, tu me diras Mortal Kombat, et après, ça c'est rigolo, parce que les mecs, ils vont toujours t'adapter des jeux vidéo avec le moins de scénarios possible. Dev, alors... Moi j'ai eu très peur quand ils ont annoncé le film Tetris. Bon, ça va, c'était un film sur la création du jeu, mais j'avais peur qu'ils nous fassent un film de casse-briques, quoi. Oula, il y a de la briquette en mort. 8 et 10, ok. Alors, faut 10 d'éclair. Le problème du dernier film Mortal Kombat, qui n'est pas en soi mauvais, hein, c'est que... Bah, il est où le Mortal Kombat, le tournoi? Le film s'arrête alors que le tournoi n'a pas commencé. Un peu dommage, quoi. Heureusement que le film a marché, qu'il y a une suite. Ah non, mais U-Ball, c'est juste un mauvais réalisateur, et je comprends pas comment ce mec arrive à avoir des budgets pour réaliser encore. Il faut regarder le Dragon je sais pas quoi là avec le mec de Prison Break. C'est catastrophique, hein. C'est Benzaï qui a fait, je crois, une critique dessus. Le film est tourné. Rien qui va. U-Ball, faut savoir que c'est un ancien. Boxeur. Je pense qu'il a pris. Il a pris une ou deux patates de trop, hein. Il a plus les fils qui se touchent correctement. Hein. Mais Paul Anderson, c'est pas mieux. Moi, je suspecte Paul W. Anderson de continuer à réaliser parce qu'il c'est un anonyme de Wes Anderson, parce qu'il s'appelle Paul W. Anderson. Et je pense que quand il envoie les scénarios au financement, les mecs, ils doivent dire ça. C'est... W. Anderson. Ouais, ça doit être Wes Anderson qui fait Resident Evil. Ça doit être bizarre quand même. Ouais, bon, Wes Anderson, c'est un génie, on va valider. Et je pense que ces films passent comme ça. Parce que lui, à part faire tourner Mila Jovovic parce que c'est sa femme. 2, 6.
2, 4, 6, 8, 10. Ok, j'en ai fait 4 de trop. Président de Sénil. Non, ouais, c'était pas bon, quoi. Alors, le dernier. Raccoon City, là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul. Je l'ai même pas vu, House of the Dead. Je crois que j'ai fait du caca. Hop. Alors. Ah oui, mais parce que c'est pas des films, c'est des produits. Les mecs, en fait, ils remplissent. Enfin, ils remplissent des cas. Certains achètent juste une licence. Pour dire bon bah le jeu a bien marché, on va faire un film, ça devrait fonctionner, on devrait faire du pognon. Après malheureusement tu peux pas dire fake Ubisoft parce que tu sais pas ce qui s'est passé en off, quel compromis ils ont dû faire pour que ce film se fasse. Et malheureusement ouais, souvent il y a des compromis. Et c'est peut-être pour ça aussi que le film Metal Gear n'arrive pas, parce que peut-être que les mecs qui ont l'air de vouloir faire ça bien, bah sont moins enclins à négocier avec certains studios ou certaines personnes qui voudraient qu'est-ce qu'il y a pas là. Je me suis là. Ok. Ah tu sais pas, Netflix sont pas des trucs bons aussi. Moi j'ai. Pour avoir discuté avec le directeur programmation Netflix Europe, lui, je lui fais moyennement confiance. Hein, il aime plus le pognon que la création. Et pourtant, le mec a essayé de faire d'être scénariste. Ça n'a pas marché. Peut-être parce qu'il était pas bon. Peut-être parce que, enfin, je sais pas. Je vais pas juger. J'ai jamais lu ce qu'il écrit. Hein. Mais je sais pas, je. Alors attends. Tac. Ouais, j'ai oublié de faire là. Alors j'en avais d'avance. Alors, la première saison de The Witcher, oui, la seconde, mais la troisième, j'ai pas vu encore la troisième. Pas encore le courage de me lancer sur la troisième. Mais il semblerait que ce soit pour ça que Cavill soit parti, hein, c'est parce qu'il est. Enfin, il y a eu des désaccords au niveau du respect du scénario et. Mais si, il y a beaucoup de choses malheureusement
en off qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et qui malheureusement après explique certains échecs ou certains ratés. Et je pense que c'est toujours très intéressant, et comme pour les jeux vidéo, hein, c'est la même chose, mais je pense que c'est très intéressant de non pas juger le produit uniquement sur son résultat final, mais également essayer d'analyser tout ce qu'il y a autour, le contexte de sa création. Je pense que c'est assez intéressant, et notamment pour prendre l'exemple d'Indiana Jones, le Temple of Doom là, qui est très différent du reste. George Lucas et Spielberg expliquent que tous les deux étaient dans une situation assez compliquée dans leur vie. Je crois que George Lucas était en plein divorce et Spielberg il y avait un problème avec son père, je crois. Ce qui peut en fait se ressentir sur le film. Ok, on va mettre des herbes là. Mais non, de toute façon, là, Henri Cavill, il est parti sur un projet de Warhammer avec Amazon, je crois. Je crois qu'il va faire. Notamment la production sur un projet Warhammer. Et là, et on va faire sécher, on va faire après un peu les auras. Ok, on va faire l'eau. C'est rigolo d'alterner les plats et les pas plats pour faire les vagues de l'eau. On voit pas bien le transparent, dommage. Ok. Là. Regarde comme ça. Et encore une longue. Ouais, celui-là là. Un tout plat. Et une dernière longue. Ok. Et moi, faut l'éternuer. Pardon. Ok, j'ai celui-là pour faire les vagues. Ok. Et le troisième, il est là. Alors. Ok. Oula. Celui-là. On va lui rajouter celui-là dessus. On va remettre comme ça. Et un plus foncé. Ah, j'ai oublié de brancher
la caméra pour faire le stop motion. J'ai zappé. Alors. On pix. Hop. Ok. On va pas chanter trop fort, hein, si je veux pas vous tuer les oreilles. Ok. Ça avance, ça prend forme. Oula. Alors. Un blanc. Alors, un blanc rond et un noir. Et une tige marron. Une tige marron avec une butée. Donc. D'abord comme ça. Puis. Ça s'en fout. Ok. Ok. Allez hop. On va faire directement la paire. Ok. Voilà. On fait deux comme ça aussi. Et un comme ça et un comme ça. Démonte les doigts ces trucs là. Juste une... de... la tire. Ok. Ok. Oh, ok. Et on est reparti. Alors. Alors, deux caramels. Deux chocolats. Salut papy, comment ça va? Ils sont enfoncés, j'ai perdu des. J'ai mes yeux qui me jouent des tours. Ok, voilà, hop. Comment tu vas papy? Alors. ...39,5 de fièvre guérie. Mais t'as encore chopé le Covid ou quoi? Et puis c'est dimanche matin, la fièvre du samedi soir, c'est passé. Aïe 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 aïe. T'as chopé une insolation, un truc comme ça? Ah, t'es pas en la semaine dernière? Ouais, bon, ok, c'est ça. Hein. Je cherche pas à tous les coups. Ok. Celui-là. Ah, excuse-moi, je...
J'avais oublié que t'habitais au Royaume d'Atlantide. Hop hop hop. Ah, déjà eu ça là. Nikon le shuffle là. Ok. Ok. Hop. Bon. Ok. Cache la misère. Et tac 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 tac. Vert foncé. Vert foncé, ouais. Je dirais. Ok. Ça ressemble à quelque chose, non? Là. Hop. Et ouais, ok, j'ai bien compris, parce que là c'est un vert clair. J'ai un peu du mal à voir les couleurs des fois quand elles sont pas à côté l'une des autres. Et en vrai, elle terme. Vraiment l'impression de jouer aux échecs, hein. On va forcer d'alterner là, faire des damiers. Ok. Ok. Ok, on fait le pont. De l'autre côté, on va le faire directement. Après, on va éviter les impairs. Je peux pas faire mon malin là, dire oh, j'ai compris, je suis dans la matrice. Ok. J'ai l'impression de créer une machine à en faire là. C'est là-dessus. Ah. Épipique. Épipique, épipique. Fait chaud. Fait chaud dans le bureau. Et on va mettre ça. Et on va. Ouais. Ok. On a de l'autre côté. Euh...
coup 16. 6. On va faire comme ils font eux. Hein. On est venu enfiler des perles, semblerait. Ok. Encore un. Et là. Ok, hey. Ben, c'était bien ça. Bien ça. Hop. Un jardin. Oh, on va être bien. Une petite heure de Zelda. Ok. Voilà. Et ça, je le clip sur le... Ok, ça c'est quelque chose, ça. Ok. Bon, mal pont. Et ça vient. Tout simplement. Se mettre comme ça. Là, on vient y caler. De l'herbe. Alors, ok, il y en a 16 à mettre comme ça de chaque côté. Finir le truc. Alors, hop. Donc, 8 de chaque côté. Allez, tourne le côté. C'est beaucoup de petits comment dire, quelque chose d'assez minutieux. Ça me fait penser, alors je l'ai pas fait, mais il y a Dagobah qui est sorti dans le set Star Wars là, avec Yoda, et il y a tous les marais là à faire. Je crois qu'il faut 80 pièces de main, un truc comme ça. Ça doit être assez fastidieux. Ok. Ok. Et là. 4 comme ça.
2, 3 et 4. Et on vient lui coller le palmier. Quick. Et on a la deuxième émeraude. C'est rigolo. C'est rigolo. Et lui, il passait au sachet 3. Donc nous, on va s'arrêter là et on va basculer sur Zelda. C'est rigolo. C'est ça. On va pousser ça sur le côté. Ok, on va ranger cette pièce en plus dans mon fourre-tout de pièces arabes. Écoute, merci d'être passé. En tout cas, Dr. Jones, bonne fin de dimanche à toi. Ouais, mais il faut qu'on en parle parce que j'ai du mal à... Comment dire ? Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, je sais pas comment... Je sais pas encore, donc il faut qu'on en parle. Donc on va d'abord... changer le type du jeu. TOTK. Temple Zora. Ça. Ça. Tears of the Kingdom. Ok. Ouais, je t'en donnerai un MP. On va mettre sur kick. Changer ici. Alors, le TK. Oui. Et mince. Et on va faire une petite pause pipi. On va fermer ça et j'arrive de suite.